Alors aujourd'hui, je vais vous présenter toute ma collection de figurines et les deux figurines que j'ai eues ensemble avec trois accessoires et mes nouveaux trucs. Voilà, allez, c'est parti. Alors, toutes les figurines que je vous avais montrées dans les vidéos précédentes, donc Edge avec sa chaise qui se plie et qui se déplie, là, voilà. Voilà, Edge en Ruthless Aggression. Rey Mysterio, je vous l'avais pas montré, avec sa ceinture World Heavyweight Champion du monde poids lourd. World Heavyweight. Voilà, Mysterio qui est en orange. Après, Undertaker. Ah oui, Rey Mysterio, il est en Deluxe. Après, Undertaker. Il est en Deluxe aussi. Que j'ai eu avec un escalier qui prend la forme de la tête. Voilà. Et derrière il y a un bouton là. En appui. Voilà. Après Shawn Michaels. Voilà. Avec une chaise qui prend la forme de la tête. Voilà. Kurt Hawkins que j'ai eu Kurt Hawkins que j'ai eu avec la maille de Maurice Devin qui est avec le contrat qui s'éjecte. Voilà. Le contrat est parti là-bas. Que j'ai mis la maille d'arbitre. Et un mule que j'ai eu avec une poubelle. Quand on appuie dessus, ça part quand même. Là. Voilà. Nunzio, c'est un italien. C'est marqué sur son slip derrière. Là. Avec le drapeau italien. Que j'ai eu avec une échelle. Qui se plie, qui se déplie et qui peut se casser. Après ma clochette. Voilà. Voilà. Que j'ai fabriqué moi-même. Une petite poubelle que j'ai mis pour la table des commentateurs. Là, avec des papiers dedans. La table des commentateurs. Sur l'écran, il y a Jeff Hardy. Et à cette manière, le 25e anniversaire. Une batte de baseball que j'ai fabriquée moi-même. Des ordinateurs où il y a John Michaels et là il est vide. Le W. Là. Après une table qui se casse que j'avais fabriquée moi-même. Là. Ça, je vous donne mon astuce, je l'ai fait avec des scratchs. Vous voyez, là il y a un scratch. Là il y a un autre scratch avec une languette là. Voilà, et après ça s'attache. Le poncho de Rey Mysterio. Il y a Rey 619 Rey Mysterio. Et là, ça fait comme sur son corps. Il y a voilà, mexicaine. Une échelle grande, quand même. Après, mes nouveaux trucs que j'ai eu, c'est des pogs. C'est des petits trucs comme ça, en métal. Et ça sert à se déglinguer en fait. Derrière il y a le W, la série Mysterio. Là, voilà. Et je l'avais eu avec John Cena. Voilà. Là. Et il le donne avec un propulseur. En fait, je l'ai eu dans une machine. Voilà. Vous voyez, ça s'éjecte. Là. Ça s'éjecte loin en fait. Après, mon nouveau truc, c'est. Qu'est-ce que j'ai de nouveau après? Oui, j'ai ça. Un pendentif d'Umaga. Avec le W toujours derrière. Et j'ai un de Edge aussi, mais je sais plus où je l'ai mis. Après, le nouveau truc, c'est Slam Attacks. Et c'est des nouvelles. Ça s'appelle Slam Attacks Evolution. J'ai eu Alicia Fox. J'ai eu un WWE Slammy Awards.
Voilà. En fait, c'est James Cena, un Oscar, en fait, qui est un homme, qui est en train de faire son FU. Un Shelton Benjamin, un doré, qui est en train de faire son play d'art. Oui, sa prise de finition. Après, un pay-per-view, Extreme Rules, chez The Bash et SummerSlam. Après, les cartes, c'est des cartes comme ça. Voilà, comme ça. Elles ont change d'écran. En fait, là, c'est Rey Mysterio contre Chavo Guerrero. Là, c'est Batista contre René Dupré. Enfin, je sais pas si c'est en français. Là, c'est Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, voilà. Kurt Angle. Booker T. Elle, comment elle s'appelle déjà? Hiroko, elle. Et après, là, il y a deux cartes, il y en a plein. Là, mon nouveau verre que je ne déballerai pas. Mon verre de Rey Mysterio. Voilà, avec une bonne jambe noire. Mon verre de Rey Mysterio, voilà. Si. Avec le W dessus. Voilà, le truc officiel. Voilà. Après, mon livre. Mystérieux, ça c'est pas un livre, c'est les cahiers. Moi j'ai fait des trucs, voilà. Là, ma boîte qui est remplie de mes doubles de. Dans la boîte là, il y a mes doubles de Slam Attack et de stickers de catch. Là, ma peinture, mon réveil mystérieux. Voilà. Mon riz, que je vous avais pas montré, c'est rebondi. Corde élastique, avec les W dans le point, dans les coins. WWE, SmackDown, derrière Raw et www.com. Le magazine WWE Euroshop, voilà, de Noël 2009. Voilà, alors maintenant il me reste qu'à vous montrer mes figurines de figurines avec trois accessoires. Voilà. Alors j'ai fait une très bonne affaire sur ça parce que vu que c'est pas des Rottles, enfin si c'est des Rottles Aggression, mais c'est pas la vraie marque Rottles Aggression quoi. Là il y a Undertaker, là, avec les yeux blancs qui tirent la langue. Cette fois il a le maillot en vert. Et là j'ai Paul Burchill avec une égratignure sur la poitrine. Et voilà. Voilà, c'est ça la marque, ça s'appelle Roster King. J'ai eu avec une chaise qui se déplie, la ceinture WWE et une béquille. Je vais le déballer. Voilà. Alors Undertaker. Là. Il tire la langue et il fait les yeux blancs. Il est en vert en fait. Voilà. Voilà comme il est. On retient les sensations. Là la ceinture de la WWE. Elle tourne. La W tourne. Je peux pas le faire parce que j'ai la caméra dans une main, sinon elle tourne. Après voilà, même Micro, WWE Champions, voilà. Voilà. Après la chaise qui se plie et qui se déplie, elle est rouge.